Oh, nous sommes le lundi 6 décembre. Je vous reprends pour une nouvelle semaine de vlog. Il faut que je me poste le vlog de la semaine dernière, que je vous fasse absolument mon boucol. Depuis le temps, je vous le dis. J'ai une mauvaise boutumeur en ce moment. J'espère que l'année prochaine, ça sera mieux. Mes vlogs, mes boucols et compagnie. Voilà ce que j'ai reçu ce matin. Sur Simplement Pro, j'avais demandé un SP et j'ai même pas eu le temps d'y revenir depuis vendredi soir, que ça a été aussitôt accepté, enfin, ou jeudi, je sais plus, et aussitôt envoyé que j'ai reçu ça ce matin. Claudie Red et le coffret Corsaire, un roman jeunesse de Aline Delpian. Aux éditions, ça ne fait pas trop le focus là. À l'ombre des mots, je connais pas cette maison d'édition. Il faudrait que j'envoie ma nouvelle jeunesse, peut-être, que j'avais fait à l'époque. Vive la colo de la peur. On sait jamais. Je vous mets le résumé. Voilà. Vous pouvez faire pause. Hop, sa biographie. Et le prix, c'est 12 euros. Si ça vous tente. C'est écrit assez petit quand même, mais. Ça fait 160 pages. Ça va. J'ai commencé juste à lire la première page tout à l'heure. Voilà. J'ai fini Vous n'aurez pas mon âme de Valérie François que j'ai adoré. Je vais faire la chronique dans la semaine sur mon blog. Vous le verrez. Et là, il faut que je lise deux SP. Un de Erika Boyer qui habite pas loin de chez moi. C'est une auteure. J'espère que je la rencontrerai un jour d'ailleurs. Si tu passes par là, Erika. Je viens juste de commencer ton livre. D'ailleurs, il va falloir que je le montrerai demain sur ma tablette. Là, je ne l'ai pas apporté demain à ma tablette. Voilà. Et le premier tome de sa romance MM, Si on dépliait les étoiles, un truc comme ça. Enfin, je vous mettrai ça demain. Je vous en reparlerai mieux demain. Et je suis en train de lire aussi le SP de Wendy Maquet. Pareil, il faudra que je vous en reparle demain, ça aussi. Et je lis ce SP maintenant. Et Heartstopper, il faut que je me le finisse. J'en suis à la moitié de Heartstopper. Voilà. Et j'ai fait mon sapin de Noël. Je l'ai fait aujourd'hui. D'habitude, je le fais le 1er décembre. Mais j'avais pas trop la motive de le faire. Je vais vous montrer. Bah, j'ai mis une guirlande électrique. Un peu comme l'année dernière. Voilà. Voilà mon sapin. Voilà. Avec la petite étoile. Voilà, je suis contente. Je me suis motivée pour le faire. À la base, je voulais le faire avec mon chéri, mais bon, je me suis dit, on le fera ensemble quand on aura un enfant, ça sera mieux. Là, il n'était pas trop motivé à le faire avec moi cette année. Donc, je l'ai fait toute seule. J'ai pris mon courage à deux mains. D'ailleurs, il faut que je nettoie par terre. Ça a mis plein de saleté. Et c'est le mardi que je fais le ménage en général. Je ferai mon petit ménage demain et je nettoierai tout ça. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Sûrement, je vous reprendrai plus tard. À plus! Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 8 décembre. Il est 7h10 du matin. Je vais vous montrer ma lecture en cours de. Voilà. Je n'ai pas beaucoup avancé depuis hier, mais je lis un peu tous les jours, donc ça va. J'ai d'autres aspects à lire en numérique, donc je lis un peu tout. Voilà, j'ai lu ça ce matin et un peu hier. Et voilà, je fais le petit déjeuner et je vais aller travailler. Il fait nuit dehors, vous voyez. Je ne vous ai pas pris hier, je suis désolée. Et mais hier, j'ai fait mon boucle qui est en ligne. Donc j'ai enfin fait le boucle, tant mieux. Je vous laisse et je vous dis à sûrement à demain. À plus. Ouais, je vous reprends. Il est toujours le mercredi. 8 décembre, il est 13h03. Et avant de partir bosser, je rembauche à 13h30. Je suis à 5 minutes du boulot. Je regarde le Vlogmas de 4e de Bonjour à couverture. tous, j'espère Que que vous j'aime allez bien. suivre. Donc voilà, et j'ai lu un peu ce matin. Je vous ai montré ma lecture d'ailleurs. Et voilà, je vous dis à plus. À demain sûrement. Comme hier, je ne vous ai pas pris, je vous prends deux fois aujourd'hui. Ça me rattrape le coup de hier. À plus. Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 9 décembre, vous voyez, il est 16h35. Je vous reprends pour vous montrer ma lecture en cours. Claudie Erren, le tome 1. J'ai lu 28 pages pour le moment.
Voilà, c'est quand même écrit petit. Je lis petit à petit le matin, en fait. Voilà. Et c'est vrai que je pense pas trop à vous montrer mes lectures numériques, mais bon. Et sinon, j'ai trois lectures en cours, là. Heartstopper qui a pas bougé. Toujours à 50%. Et là, j'ai pas bougé. Parce qu'il est gros ce livre et je le lis encore un peu des fois, mais pas tout le temps. Voilà, parce qu'il est trop gros, je pense que c'est pour ça. Voilà. Mais écoutez, là, cette semaine de vlog, elle va pas être très pimpante parce que j'ai pas grand-chose à raconter. Donc, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Demain, avec ma mère, on va faire le cadeau de Noël pour mon chéri et la mère de mon chéri. Je vais lui prendre quelque chose aussi. Voilà. Et demain matin, à la débauche à 9h. Ça va être de la course, des cadeaux. Et voilà. Et puis, je ne sais pas si je pourrais vous prendre parce qu'avec ma mère, elle aime pas trop la technologie. Donc, je risque de ne pas vous prendre. Je vous prendrai que vendredi après-midi, je pense. Voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à plus. Je vous reprends en fait en vidéo pour vous montrer une mignonnerie, mon bébé chat, mon caramel. Si tu passes par là, Erika, si tu regardes mes vlogs, voilà mon chat Caramel. Je l'appelais comme ça parce qu'il est roux. Et j'adore ton roman à elle-même en fait. Il faut déplier les étoiles ou je sais plus quoi. Je sais plus le titre. Je vous en reparlerai demain sûrement. C'est vrai que je ne montre pas trop mes lectures numériques, mais ça compte aussi. Mais on est un peu plus tard dans la soirée. Il est. Vous voyez, hop. Là, je regarde la vidéo, le vlogmas de quatrième de couverture. Et je continue mes activités pour le centre de loisirs, là. Je suis en pleine dedans. Je dois coller les trucs qu'ils ont fait, les enfants. Les reines de Noël. Voilà. Je vais vous laisser. Il y a un autre chat. Le chat de ma coloc, là. Leur petite souris en jouet. Et le petit cobaye. Les chiennes, ça fait un moment que je ne vous les ai pas montrées. Demain, j'essaierai d'aller faire un tour, mais il fait froid là où elles sont. Enfin, il fait froid. C'est pas de la portée ouverte pour qu'elles puissent aller dehors, mais elles sont quand même au chaud. On les laisse au chaud la nuit et tout. Elles sont dans le garage. Voilà. Bon, mais et puis le sapin de Noël, là, ça fait vraiment esprit de Noël. Voilà. Je vous laisse sur ces images mignonnes et je vous dis à plus. Ils se font tous les deux leurs toilettes. Il va pleuvoir, les minous. Et Maxou? Tu dis quoi aux gens? Max? Oui, tu viens me voir? Un manque d'amour. Voilà, lui c'est Max la menace. À plus. Et finalement, je vous reprends une dernière fois pour vous montrer mes petits rênes de Noël, ce que ça donne. J'ai fini. Il en reste un peu là. Presque une heure après quand même. J'ai passé du temps. Et je regarde les blancs masse encore. Avec. Ça, bien, ça me tient compagnie. Ça c'est dit McQueen. Est-ce que c'est encore un chocolat? Voilà. J'aimerais bien que les copines me suivent parce que je suis, elles me suivent aussi, mais bon. C'est trop demandé, je crois, des fois. Si vous passez par là, Nina, quatrième de couverture, etc. Faites-moi un signe, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et au fait, mon papa, il est encore sur le campagne des masses. Voilà, je suis contente de mes petites activités. C'est fini. À tous, nous sommes le vendredi 10 décembre et regardez-moi cette mignonnerie. Mon chat qui dort dans la chambre de ma coloc, c'est rare quand il y est. Oh, il est trop mignon, mon bébé. Hein? Il aime bien ce fauteuil et ce plaid. Tu voudras que je t'en achète un comme ça? Oh oui, c'est dur la vie de chat. Et son chat qui est sur son lit. Pour une fois, ils sont pas dans ma chambre, ils sont dans la sienne. Bon, le lit n'est pas fait, faites pas gaffe. Mais Maxou. Bon, je vous reprendrai dans la journée ou peut-être dans le week-end. À voir. Je trouve qu'il est court un peu ce blog, sinon. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant. À plus, dans le bus. Ah oui, ce matin, j'ai fini les achats de Noël avec ma mère. Voilà, et j'ai travaillé. Et là, je suis en week-end, enfin. Ça fait du bien. Il me reste une semaine. Après, j'ai. De travail, après j'ai mon concours d'entrée à l'école de secrétaire médicale à passer le 20 et 21 décembre. Et le 21 au soir, je suis en vacances!
Voilà, et j'espère que j'aurai ce concours pour pouvoir être secrétaire médico-social. C'est mon rêve de faire ça, et voilà. Croisez les doigts pour moi. Voilà. À plus! Du coup, je vous reprends. On est toujours le 10 décembre, il est 18h25. Et voici mes lectures en cours, où ça en est. Claudie et Rennes, j'ai lu 20% du livre. Et il faut les étoiles. Il faut parfois déplier les étoiles de Erika Boyer. La couverture est magnifique. J'ai lu 132 pages. J'aime beaucoup cette histoire. Vraiment, je pense que je vais la finir d'ici la semaine prochaine. Ça, c'est sûr et certain. Même peut-être ce week-end. La couverture, je vous la montre un peu en grand. Le résumé, si ça vous dit. Mettez sur pause. Voilà. Voilà, normalement on peut le lire comme un calendrier de l'Avent, mais bon, moi comme je n'ai pas lu depuis le début décembre, je me rattrape là, j'en suis au 6 décembre, je crois, un truc comme ça, dans la lecture du truc. Et voilà. Donc voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous reprends dans le week-end et je clôturerai ce vlog ce week-end. Et regardez, on la voit rarement la femelle, le chat là-bas, c'est Abby. Voilà, je vous laisse et je vous dis à dans le week-end ou à lundi. Et je clôturerai soit ce week-end, soit lundi, suivant si j'ai eu le temps de vous prendre ou pas. À plus! Coucou à tous, nous sommes le samedi 11 décembre, il est 14h20 bientôt. Je vous reprends aujourd'hui. Je suis toute seule à la maison, ma coloc et son chéri sont pas là et mon chéri il est à la chasse. Là, il mangeait là-bas, il allait arriver. Donc avant qu'il arrive, je vous reprends parce que j'aime pas parler devant les gens, ni devant mon chéri. Donc j'en suis toujours au même point niveau lecture. C'est le SP de Erika Boyer où j'ai bien avancé là. J'en suis à presque 200 pages de lu. Le MM. Il faut parfois déplier les étoiles. Je l'adore ce MM. Merci beaucoup Erika pour l'envoi. En tout cas, je le dévore ton livre. Je pense que la semaine prochaine, il peut être fini. J'ai même abandonné ma lecture de Heartstopper pour le moment. Il est toujours au même point, à 50%. Il faudrait peut-être que je m'y réattaque un peu. Et j'ai un concours à vous proposer de gagner mon livre. Celui-là. Voilà, on va pas. Voilà. Le premier que j'ai écrit, Jean Master Jour Destin Brisé. Je vous mets le résumé ici. Hop. Voici le résumé. Je vous montre un peu. Là, il y a dédicace. Vous aurez une dédicace à l'intérieur, bien sûr, de ma part, si vous le gagnez. C'est écrit quand même aéré. Il se lit facilement. Et donc, ça donne comme ça quand on l'achète. Il vaut 11,50 € sur Amazon, Aramon Édition, ma maison d'édition, bref. Voilà. Si vous voulez faire un cadeau à Noël à vos proches, il se lit très vite. Pour ceux qui commencent à lire aussi, enfin, qui commencent, les jeunes filles de 11 ans, comme ça, c'est très bien. Si vous connaissez Dirty Dancing, Le temps d'un automne, Nos étoiles contraires et Fallout. Je me suis inspirée un peu un mélange de tous ces films. Donc voilà. Donc je vous le fais gagner. Pour cela, il faut mettre un commentaire en barre d'infos. Enfin, il faut commenter déjà ma vidéo. Et après, il faut dire je participe. Voilà. Et vous pouvez même en parler à vos proches. Vous pouvez partager mon vlog. Et si vous voulez sur Facebook et invitez vos amis à participer, ça me ferait vraiment plaisir de le faire gagner. Et c'est une idée de cadeau de Noël aussi que vous pouvez faire. Voilà. Après, par contre, si vous le lisez, ce que j'aimerais bien, si vous l'aimez, mettre un commentaire bienveillant sur Amazon, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà. Mais merci beaucoup d'avance si vous participez. Je vous laisse pour aujourd'hui parce que j'ai rien à dire de plus. Je pense que je clôturerai le vlog demain ou lundi et je vous le mettrai pour la semaine. Et le concours, c'est jusqu'à Noël en fait. Et je l'enverrai après Noël. Vous avez jusqu'au 25 inclus pour participer au concours. Voilà. Je ne fais jamais de concours. Enfin, si, j'en fais, mais rarement. L'année dernière, je n'en ai pas fait sur ma chaîne ni
sur ma page Facebook. Mais aujourd'hui, là, j'ai envie d'en faire et voilà, c'est l'occasion de vous faire gagner un de mes livres. Voilà, et vous pouvez en parler aussi à vos proches, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, merci beaucoup. Je clôturerai donc le vlog demain ou lundi. À plus! Ah oui, j'ai pas précisé, je vous ferai un tirage au sort pour savoir qui c'est qui a gagné. Je mettrai vos noms, je piocherai et je ferai le tirage au sort, pardon. Je voulais préciser, je l'ai pas fait, n'importe quoi moi. Ah là là, j'ai la tête à de ninotte. Bon voilà, vous savez tout sur les conditions du concours. Ah oui, il faut habiter en France quand même, parce que pour la, désolé, pour la Suisse, la Belgique et tout, c'est comme c'est plus cher les envois. Voilà, il faut habiter en France, la condition du concours. Voilà, vous savez tout. À plus dans le bus. On prend. Nous sommes toujours le samedi 11. Je pense que j'ai assez de rush pour faire finir le vlog. Il est 15h15, 1 heure après, quasi. J'ai lu un peu de Claudie Errel. J'en suis rendue page 36. Un nouveau chapitre, du coup. Voilà. Et je vais vous laisser pour aujourd'hui et pour ce vlog-là. Je vais clôturer le vlog. Je vais essayer d'en faire un jusqu'à Noël. En fait, on va faire de lundi à Noël. Et je vous posterai ça avant la fin de l'année. Et on verra pour l'année prochaine après. Voilà, là c'est l'avant-dernier vlog. Et il y aura un dernier vlog à partir de lundi. Et c'est fini, n'oubliez pas le concours. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.